Hélas, ma chère Adèle, il n'y a plus de mots pour décrire ce que je vis. Gustave. L'objectif de cette lecture était de montrer aux élèves certaines des réalités vécues par les soldats pendant la Première Guerre mondiale. L'auteur mise sur l'association d'idées grâce à des images chocs pour rendre les horreurs de cette guerre. C'est sombre. Il y a beaucoup de morts. Il doit souffrir beaucoup. Les soldats se promènent dans une tranchée sale. Les bombes font beaucoup de trous. J'étais bouleversée. J'ai lu plusieurs fois. À chaque fois, j'avais des papillons dans le ventre. Manette numéro... Regardez-moi ici, manette. Quelle sera l'expression? Prout moutarde. Doigt de réplique. Gaz moutarde. Cette activité veut placer le vocabulaire sur la Grande Guerre et faire la promotion de livres documentaires laissés dans la classe. Dromadaire. Bonne réponse! On va vous laisser une boîte de livres documentaires que vous pourrez consulter. Yes! Ça m'intrigue beaucoup, les animaux durant la guerre. Je vais trouver plein d'informations là-dedans. On a surtout travaillé les compétences liées au jugement critique et à l'univers social. Comment des valeurs humaines peuvent persister dans les pires horreurs. De l'opéra. Chanson de Noël! C'est quoi le rapport avec la guerre? Chers parents, il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas. Le jour de Noël, ils nous ont fait signe, ils nous ont fait savoir qu'ils voulaient nous parler. On dirait qu'ils jouent au soccer. Il y a des Allemands puis des Français ensemble. Il y a un sapin de Noël, on dirait qu'ils chantent. Je lis La trêve de Noël de Michael Morpurgo puis c'est vraiment bon. Moi, je lis Les soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Je fais une carte conceptuelle. Amitié. Soccer. Et toi, qu'est-ce que tu vois ici? Ben moi, je vois quelqu'un qui s'est fait aveugler par le gaz moutarde. OK. Et sur celle-ci, que voit-on? Des avions qui sont en train de combattre. Une bataille aérienne entre l'Allemagne puis les Britanniques. OK. Des maisons détruites avec du feu. Les couleurs? Ben c'est vraiment sombre. Troisième hôpital fixe canadien à Doolin. Je pense que c'est lui parce que dedans la description, ils disent qu'il y a des infirmières qui s'occupent de ça dedans une église. C'est toujours une bonne nouvelle et une source de motivation pour les élèves quand je leur annonce que les super-héros de la lecture viennent nous visiter. Ils nous ont appris plein de choses, puis parce qu'avant, j'aimais pas lire, puis là, j'aime ça. Ils m'ont donné le goût de lire beaucoup. Ils font plein de concours amusants. On embarque avec eux, puis ben, on apprend plein de choses. Ils nous ont appris sur la Première Guerre mondiale, puis ils nous ont apporté des livres. Ça nous a servi pour notre examen de géohistoire. Comme là, j'ai lu deux gros romans en même temps, puis c'est vraiment intéressant. J'ai pu choisir mon style de roman, la longueur que j'aime. Puis moi, habituellement, je lisais vraiment pas beaucoup, puis là, ben, je lis de plus en plus, puis j'adore ça. Donner le goût de lire, le plaisir de lire, leur faire découvrir de nouveaux univers, de nouveaux genres littéraires aussi, pour que les élèves trouvent facilement des livres à leur pointure et à leur goût aussi. Depuis le projet Il y a 100 ans la guerre, mes élèves me posent beaucoup de questions sur la guerre et les conflits qui peuvent se passer à travers le monde. Et c'est vraiment pas rare qu'ils vont aller consulter la carte du monde pour aller situer les territoires où se passent les guerres et les conflits. Je remarque que quand on vient à la bibliothèque, les garçons me demandent plus de suggestions par rapport à des romans ou des documentaires. Et aussi, dans les projets de recherche, au lieu de simplement utiliser l'Internet, je remarque qu'ils utilisent plus les documentaires en format livre maintenant. Je remarque un intérêt grandissant pour la lecture, autant chez les garçons que chez les filles. J'ai découvert que je pouvais exploiter et intégrer la littérature jeunesse dans toutes les matières scolaires, pas seulement le français. Ouvre grand le livre qui parle de vivre, lis entre les lignes, c'est drôle.